Je m'appelle Éléonore Pironneau. Je suis une artiste française installée à Londres depuis 15 ans. Je découvre ce que c'est que d'être une artiste multimédia. C'était des idées que j'avais depuis longtemps envie de mettre en place. Et j'ai décidé, pour ce projet-là, de contacter des musiciens pour faire intervenir la musique avec la peinture. Et donc ces deux formes d'art se mélangent et j'ai voulu explorer comment elles allaient se mélanger. L'histoire commence il y a une vingtaine d'années. Je rencontre un musicien américain qui s'appelle Jerry Granelli, qui est un percussionniste. Et on a beaucoup, beaucoup discuté avec Jerry quand on s'est rencontrés. On a même fait beaucoup de jeux créatifs, en fait. Et de là, m'était venue l'envie de travailler avec lui et l'envie de développer un vocabulaire visuel qui corresponde à la musique. Donc on avait beaucoup parlé de ça. Et puis finalement, les années ont passé, ça m'est resté dans la tête. Et il y a un an, je rencontre Patrice Blanc-Francard, directeur de radio, producteur, à qui je montre mes peintures. Et Patrice, qui est un homme de musique, regarde mon travail et commence à établir des correspondances entre mes peintures et des morceaux qu'il connaissait, en me disant que telle peinture lui fait penser à tel morceau. Et ça m'a donné envie de nouveau de faire ce projet que j'avais eu avec Jerry. Ça a vraiment renouvelé cette étincelle. Je rencontre Martin Barker, on parle de peinture, de musique, je lui exprime mon envie de travailler avec la musique et de demander à des musiciens de créer un morceau. Et Martin Barker me dit « Écoute, super idée, si tu le fais, je te fais un morceau. » Et là, ça m'a lancé. Eleanor was looking for composers to write music specifically from her art. And when I saw her art, I realized that yes, I could come up with music. There were three different directions in this painting. And she kept saying one, two, three, with her hand sweeping across. And that stayed in my mind, and I was thinking, great, so I'm going to work with one, two, three. How am I going to do that? So that was my way in. And then I saw there were three red dots, one, two, three, on the painting. So I thought, what were these red dots? And eventually I came up with this. Lola a fait un travail extrêmement intéressant parce qu'elle a joué avec les deux éléments de la peinture qui sont un fort élément de rythme avec des sortes de vagues, de lignes comme ça qu'elle a traduit par une série d'accords au piano. Et les petites formes qui arrivent comme ça un petit peu rondes, qui jouent dans ces lignes, pour elle, c'est la narration. Elle est partie de ces formes pour raconter une histoire et elle a aussi voulu mettre un écho au titre « Life's Little Dramas ». Donc elle est allée chercher des histoires dans des magazines avec des drames pour susurrer une histoire qui correspond à ces petits éléments qui flottent un petit peu dans la peinture. This is the first time I've written specifically for headphones. So I created the music knowing it would only be heard on headphones. It was a very intimate experience. I wanted my whispering to sound like it was in someone's ear. So the headphones were absolutely essential. I met Eleanor probably about 5-6 months ago. So we start talking about music and paintings, and we share a common ground, passions. And when she came up with this idea, I said yes. Antonio a choisi une des peintures peut-être les plus cosmiques, qui évoque vraiment, c'est une toute petite peinture, mais elle évoque un espace énorme, avec des formes qui flottent et des petits points qui évoquent peut-être des galaxies, enfin qui peuvent évoquer des galaxies. I looked at the painting and I saw one, two, three, four elements in the front row, and I see big space, a lot of darkness, solitude, things that emotionally were hitting me. And as a composer,
you relate to certain things with certain frequencies, because everything in the universe has frequencies. Little dots and yellows, you see higher pitch sounds, you know, the dots. I see time here, space, the time I aligned with certain little constant little dots on the music. I think with somebody having this tool and getting very close to the painting, it must give by itself a different emotion. Because usually when you are walking, you know, when you're looking to a painting, you have different environments around you, you know, distracting you, or this is challenging you to another world, the world of a musician and a painting at the same time. Je pense qu'il y aura une suite parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement stimulant. J'aimerais bien moi aussi me mettre dans une situation délicate, d'avoir à servir une musique et devoir faire les choix qu'ils ont dû faire.